Zaminio, nous venons pour nous porter information qui fait actualité pour nous dans Turks and Caicos Island. Jeudi, nous allons parler de l'activité criminelle qui gagne pendant la semaine qui se passe. Donc, nous recevons notre salle de la part de la police Turks and Caicos Island qui dit nous qui gens saté pendant la semaine passée dans la question du crime. Mais avant que nous fassions ça, nous allons saluer tous les Zaminio qui branchaient, surtout les Zaminio qui connaissent nous parfois par Radio VHTC, Calvin 11.FM, ou bien Radio Call, Calvin 15.FM. C'est Zaminio Jacques Fanon qui est présent. Avant d'aller plus loin, songez pour capable. Cliquez, subscribe, tout rouge là, là, petit bouton rouge là, ou bien abonner. Après ça, allez dans la cloche là, cliquez all, ou bien tout, ça dépend de qui langue téléphone. Nous connaissons dans le talk sur la langue, majorité de monde parle anglais, téléphone en anglais. Mais peut-être soit Haïti ou l'autre pays, c'est en créole ou bien en français quelconque. C'est ça que nous dit, cliquez, abonner. Mesdames et messieurs, nous allons parler de activité criminelle, mais avant nous saluer les amis qui branchent nos tribord et par bord, Captain Donald Metellis, bon bagay. Qui toujours avec nous, salut technicien Marco, nous pas ouais même, nous pas attendez même boss Marco qui j'enoué et tout staff consulat nous saluer. Et nous pour parler mais d'abord nous pas oublier TNK Variety Store. Variety Store ça nous saluer monsieur ça toujours là dans Qtown qui nous fait nous connaître. Yo là côté information, n'a pas d'information. Gars c'est les amis tout dans trésor public dans downtown Providentiales. Qui contacte avec moi des sacs passés, c'est pas m'pas ouais information yo. C'est avec yo moins distrême lorsque m'a fait sécuriser monsieur sécurité ou n'importe la rue. Donc c'est quoi les nous passer les amis toujours demander nous sacs passés. T'as un petit problème technique mais nous de retour. Et nous entrer dans l'information pas la pile faire compte, nous pas parler trop parce que phone by information. Activité criminelle. Nous ça gain quelques années là depuis crime commencé augmenter dans Turks and Caicos Island. Nous connaissons longtemps lorsque petit ti moun ta vin dans territoire là, moun te kon dom ak pote tout l'ouvri. M'a bonne vérité, nous kon dormi ak pote moi tout l'ouvri ak la caïmo ak mamam, nous dormi ak pote nous tout l'ouvri, nous pas inquiété nous de lock pote, de ferme pote, pas de connait bagay comme ça. Nous pas peur du tout. Rat nous et dehors n'importe là nous entrer n'importe là nous sorti. Mais ces derniers temps, dans 2-3 ans qui passé là haut, c'est qu'est plein. On dit qu'est plein, c'est pas jouet. Activité criminelle vraiment augmenter notre territoire, changer son autre bagage, son autre côté, mon avis qu'on y a là. Mesdames et messieurs, nous pouvons parler de qui j'en s'attaye. Nous avons la police qui voyait rapport ban nous. Nous entrons dans le rapport de la police, capable nous entrer là. Nous avons le logo de la police, là, avait dit ça, son lettre officielle de la part de la police. Qui ça va nous connaître? Eh bien, grand pile rapport. Dans Qtown, qui ça passé? Dans Qtown, semaine passée, qui c'était 20 octobre, eh bien, environ 8h du soir, d'après information que nous apprenons, nous avons gagné bandit qui allait dans Qtown, côté que yo al cassé yon business là dans Qtown. D'après information que nous avons dit à la police que nous avons devant nous là, eh bien bandit yo te masqué, c'était deux bandits qui masqué avec zam nan men yo, côté que bandit sa yo te entré dans yon bar, yo mande l'argent, yo pran quantité l'argent, yo pran bous moun, yo pran téléphone moun, après ça yo sauvé à pied. C'est à pied bandi yoté dans zone Qtown Providentiales. Donc moun dans zone Qtown faut nous capable prudent. Toujours dans de mauvais rapport dans zone Qtown. Encore d'après l'autre rapport que nous recevons de la police côté que dans zone Leeward Highway. Bon, toxique comme ça, là, surtout Providentiales, vient par un côté qui est en sécurité qu'on y a là. Zach fait tout partout. Côté Blue Hills, côté Qtown, côté Fafkis, côté Leeward, côté Long Beach. Tout côté prend coup. C'est comme ça, va aller. Et bien, dans zone Leeward Highway, la police fait nous connaître mercredi 21 en demain. Et te gagné la police qui te recevoir appel dans un restaurant. Et un restaurant qui est baladant en même temps, qui tout près, on prend qui est les Tama Stops là. Côté que bandit dans zone ça et t'es avec masque, t'es gagné environ 3 bandits avec masque dans figure, mon pas carré qui est sur yé, zam nan main, yo paraît dans un business qui dans zone nan la, business ça nous wè gan pile rapport bandit cassé la traîtrie. Yo prend l'argent, yo prend téléphone moun yo prend quantité de bagaille nous apprendre et yo allé gen 4 moun qui étaient là encore dans business là, 4 moun bandi et all dog tous les 4 moun yo. Yo prend bous, yo prend l'argent, yo prend 4 bank moun yo, même 4 bank yo prend 4 bank moun yo allé. Qui laisse arriver grand la journée 1h26 de l'après-midi. 1h26 de l'après-midi, ça veut dire c'est grand la journée mesdames et messieurs. Donc nous connaissons. La police fait connaître que monsieur était dans Mazda
gris noir bandioté donc après bandioté vin arrivé sauver cette voiture encore dans grand talk nous apprendre côté que gagné trois véhicules qui prend différent dans grand talk la police lance une enquête pour chercher qu'on exactement qui ça cause trois véhicules prend différent dans grand talk c'était 22 octobre ça t'est arrivé fait environ 1h34 du matin véhicule ça quand même yoté la caillou dans zone Lighthouse Road côté que selon victime yo il fait connait que c'était 10h du soir non yon c'était 1h34 yon l'autre c'était 10h du soir non apprendre et c'était 10h du soir et citoyen fait connait le parking véhicule li bon pas de gain rien peut-être mais après donc c'est dit fait pas gain aucun monde qui gain aucun problème d'après rapport que nous avons de la police tout le monde était OK mais c'est véhicule qui boulé donc on gain information qu'a partager information avec la police gain un citoyen encore nous apprendre que les bandits t'ai saisi un choc li dans zone de bite et deux bandits armés yo volé choc un pick-up yo sauvé mais gain en pile police qui était dans zone là qui t'a fait patrouille donc lorsque yo relé police qui t'a sorti Grace Bay tande appel là pour descendre puis yo joindre avec choc là yo tout kembel non avant que yon nan bandi yo sauvé mais la police gain ta kembe yon nan bandi yo donc la police a fait si effort. Mesdames et messieurs, nous pensons que cela n'a pas fin. Nous avons bon petit bail tout petit de qui activité criminalité pour semaine passée dans Talk sur Salon. N'importe quoi tomber encore, c'est sûr certain en fin semaine, on a porté un petit rapport de qui j'en satay dans activité criminelle. Je crois que vous suivez très bien rapport là qui j'en satay dans Talk sur Salon au sujet de activité criminelle pendant semaine qui saute passée là. Donc c'est ça veut dire Jacques Falloc était présent. Songez, subscribe, abonnez. Partager information sur avec Zaminio pour qu'on ait une fois sur ces clés qui sont satisfaits dans le stock sur Salon. Et Jamwit Solide, à la prochaine.